Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous sur les ondes de Radio-VM ou qui se joignent à nous grâce à notre présentation sur Internet. Nous sommes tous rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour la santé de la famille Garcia Romero et je vous invite aussi à prier pour Mme Denise Daigneault qui est gravement malade et qui demande nos prières, comme toutes nos autres prières, nous prions ensemble. Et nous entrons dans cette prière en reconnaissant que nous sommes pécheurs et que nous avons toujours besoin d'être accueillis par un Dieu d'amour et de pardon. Seigneur Jésus, tu as fait de nos épreuves des portes ouvertes sur ta présence. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous proposes de vivre l'amour mutuel à ta manière. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous donnes une place dans la création renouvelée. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, pour nous ouvrir la vie éternelle, tu as exalté ton Christ dans la gloire et tu nous as envoyé ton Esprit de lumière. Fais qu'en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus grande foi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme ils passaient là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leur grief contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici, et sans aucun délai, le lendemain même, j'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Si loin qu'est l'Orient.
possible porteur de ses ordres. Le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur. » Toi, tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond, oui, Seigneur, toi, tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour une troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné. Parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, cet émouvant dialogue entre Pierre et Jésus se retrouve à la toute fin de l'Évangile de Jean. Cet épisode débute avec la pêche miraculeuse qui se termine avec la présence du Christ ressuscité qui partage un repas avec ses disciples. Et c'est dans ce repas, dans la fraction du pain, qu'on reconnaît que c'est vraiment Jésus. Et c'est après ce repas que Jésus entre en conversation avec Simon-Pierre. Cette triple demande de Jésus veut sans doute faire allusion au triple reniement de Pierre. Mais le texte, dans son original grec, nous indique une autre dimension, parce qu'on joue sur deux mots pour dire « m'aimes-tu ». Dans la première fois, Jésus utilise le mot le plus profond, l'amour d'agapé, c'est-à-dire un amour d'engagement complet. Mais Pierre, en répondant, « Oui, tu sais que je t'aime », il utilise un autre mot qui est plutôt un amour d'amitié. Et Jésus revient avec encore ce mot, et Jésus répond de la même façon, et comme si on n'arrivait pas à être au même niveau dans cette réflexion sur ce que c'est l'amour. Et dans la troisième demande, Jésus modifie sa demande et reprend ce mot plus humble qu'utilise Pierre, « M'aimes-tu? » Et Pierre répond, « Bien oui, tu sais que je t'aime. » Et on est en amour qui se continue. Et dans ce contexte-là, Jésus annonce à Pierre que son amour doit le mener jusqu'au bout. Quand Jésus reprend cette troisième demande, il parle ainsi.
Et Jésus termine ce dialogue avec cette phrase fondamentale, mais un peu étrange si nous regardons le contexte du ressuscité, parce qu'à la toute fin, le dernier mot de Jésus, c'est « Suis-moi ». « Suis-moi », c'était la première invitation de Jésus à ses apôtres, « Suivez-moi ». Et Jésus revient sur ça. Ce même appel qui se retrouve quand Jésus invite les premiers disciples est repris par le Christ ressuscité. Cette phrase rappelle donc à Pierre son engagement premier, mais il devient aussi une invitation à suivre Jésus sur ce chemin que Jésus a tracé, un chemin d'engagement qui passe par la croix. Suivre Jésus, c'est maintenant accepter de le suivre jusqu'à donner sa vie par amour. Le texte indique donc bien que Pierre est appelé à suivre Jésus, mais Pierre reçoit aussi, dans ce contexte-là, une mission. C'est être le pasteur de son troupeau. Celui qui, à la manière du bon pasteur, aura la mission de prendre soin, de guider ce troupeau. Suis-moi. Suis-moi, le bon pasteur, en étant maintenant, pour la communauté qui se bâtit, ce pasteur qui suit le modèle du bon pasteur. Donc, sois le pasteur de cette communauté. Dans ce contexte, « Suis-moi » qui conclut le passage, c'est l'invitation à suivre Jésus en étant, à son tour, ce pasteur fidèle, prêt à donner sa vie pour son troupeau. Frères et sœurs, la question posée à Pierre est aussi une question que Jésus pose à chaque personne qui veut le suivre. M'aimes-tu? On ne choisit pas de suivre Jésus parce que nous sommes d'accord avec ses idées, mais parce que nous avons rencontré cet homme qui nous a invités à marcher avec lui et à bâtir avec lui son royaume. Être chrétien, être disciple, suivre Jésus, c'est suivre une personne qui nous guide. Notre décision d'être disciple, de demeurer fidèle, se fonde sur cette relation d'amour sur laquelle est fondé tout notre engagement. La question se pose à nous aujourd'hui. Tu es disciple de Jésus, tu viens ici célébrer la fraction du pain parce que tu as répondu, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Pour pouvoir grandir dans cet amour, il nous faut laisser la question du Seigneur entrer dans notre vie et nous aider à nous demander à chaque jour, « Comment je dis cet amour que j'ai? » Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Et chaque jour, je veux manifester mon amour par ma façon de vivre. Cet amour du Christ doit se nourrir pour grandir en chacun de nous. La rencontre du Seigneur dans l'Eucharistie est un moyen important pour raviver cet amour et nous rendre capables de le suivre chaque jour plus fidèlement jusqu'au dernier jour de notre vie. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert pour ton peuple et pour que tu puisses l'accueillir, envoie-nous l'Esprit Saint qui purifiera nos cœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et son auxiliaire Alain, et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, avec les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, tournons-nous maintenant vers Dieu notre Père et prions-le avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est toi qui appartiens au règne, la puissance, la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de nuit. Toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons avec ceux qui nous entourent un signe de paix. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ vous garde pour la vie éternelle. En ce mois de Marie,
Je vous invite à prier avec moi cette belle prière du pape Saint Jean-Paul II qui prie Marie, Marie à travers toi, Dieu nous parle. Notre-Dame de la transparence, en toi et à travers toi, Dieu nous parle. Donne-nous un cœur simple, remplis-nous d'allégresse. Ô Vierge du Oui, du Magnificat, rends nos cœurs transparents comme le tien. Notre-Dame de l'humilité, cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère, aide-nous à porter la bonne nouvelle au monde et à nous immerger dans le mystère du Christ pour en communiquer quelque chose à nos frères et sœurs. Notre-Dame de la fidélité, toi qui sans cesse recherchais le visage du Seigneur, toi qui as accepté le mystère, qui l'as médité dans ton cœur, toi qui as vécu en accord avec ce que tu croyais, toi qui fus l'exemple même de la constance dans l'épreuve comme dans l'exaltation. Aide-nous à tenir nos engagements en bons et fidèles serviteurs jusqu'au dernier jour de notre vie sur la terre. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous purifie et soutient nos forces dans le sacrement de l'Eucharistie, fais-nous trouver la vie éternelle à cette table où tu nous invites, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et tout aimant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, en ce chemin qui nous mène maintenant vers la Pentecôte, soyons fidèles au Seigneur, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Amen.